Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Suzuki GSX8S. 8, c'est pour ce nouveau moteur qui fait quasiment 800 cm3. Nouveau moteur bicylindre chez Suzuki. On essayera exactement le même moteur sur une autre moto totalement différente. Par contre, ce sera la V-Storm 800DE. Je fais celle-ci cette semaine, je la garde une semaine donc pour bien l'essayer. Ensuite, je vous fais un débrief et prochaine semaine, 800DE et la semaine d'après, Hayabusa. La Hayabusa, j'ai toujours rêvé de la faire, il fallait absolument que je la fasse. Il n'y a plus la GSX-R 1000, donc je me suis dit, tiens, on va faire un gros roadster. On a fait la R1 il n'y a pas longtemps. Voilà, on fait de tout sur la chaîne, de petits scooters électriques à très grosses motos énervées. Bon, comme d'habitude, je vous présente cette moto en détail, on fait le tour, je vous donne toutes les caractéristiques et ensuite un essai sur tout type de route. C'est une version full que j'ai aujourd'hui, mais elle est bridable bien sûr en A2 pour les débutants. Alors donc, ce nouveau moteur 776 cm3, c'est un bicylindre de 83 chevaux et 78 Nm de couple. L'avantage que va avoir ce moteur et le bicylindre, c'est qu'il va y avoir du couple à bas régime. Donc pour les gens qui seront en permis à deux, ça permettra d'avoir du couple, un petit peu de puissance quand même et des bonnes relances en fait à bas régime sans pour autant avoir une version full comme ça non bridée. Elle commence à partir de 8 899 €, elle est quand même plutôt bien équipée. On a un écran TFT 5 pouces, on a le shifter de série, on a un bras alu, bras arrière en alu, on a des commandes métalliques un petit peu partout et franchement une belle moto, frein radial à l'avant. On revient sur ses caractéristiques ensuite, mais c'est une moto qui va être plutôt facile et sympa à conduire. Même ce que j'ai bien aimé, ils ont fait quelque chose pour ne pas que le moteur descende trop bas dans les tours, c'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on va démarrer, j'ai juste à relâcher l'embrayage, en fait comme une voiture diesel, et la moto va accélérer d'elle-même, enfin elle va partir sans que j'ai besoin d'accélérer. Et ben ça c'est cool parce que ça permet de ne pas caler, donc pour les débutants, ce sera encore plus facile de conduire cette moto. Elle est disponible en 3 couleurs, on l'a aujourd'hui en bleu, elle est disponible en blanc avec des jantes bleues, en full bleu comme ça, ou en noir où elle sera totalement noire. Elle a le shifter de série, le traction control de série, l'ABS avant, arrière et plusieurs modes de conduite. On pourra régler sur 3 modes qu'on verra ensuite pendant la conduite sur ABC. Avec une sorte de mode C qui sera le mode rain, un mode B qui sera un mode standard et un mode A qui sera lui plein de puissance tout le temps. Ils ont appelé ça le Suzuki Drive Mode Selector. Après, il y a pas mal d'options disponibles dessus. Regardez, je vous montre à côté une full option avec le sabot, les top blocks, le support de plaque plus court. Là, on a des clignotants à LED également aujourd'hui en option. On peut avoir la déco qu'on a et même une sorte de petit saut de vent mini bulle sur l'avant avec une déco spécifique, un petit peu comme les motos de GP. Alors, sur le côté, donc des roues avant-arrière de 17 pouces, ça c'est ce qu'on retrouve sur quasiment toutes les motos. Au niveau du poids, elle fait 202 kg. C'est un petit peu plus lourd que la concurrence, mais bon, pourquoi pas. On verra est-ce que c'est agile ou pas. Forcément, pour vous la tourner aujourd'hui, je l'ai déjà utilisé un petit peu. Et je vous avoue que le poids ne se fait pas forcément ressentir, mais on verra ça sur des petites routes où c'est plus sinueux et c'est un petit peu plus technique. Au niveau de l'empattement, 1465 mm, ce qui en fera une moto plutôt stable. On a la selle qui a 810 mm. Donc moi, je fais 1,80 m. Et lorsque je m'assois dessus, eh bien, j'ai les deux talons posés, les jambes plutôt fléchies. Je pense que même une personne d'1,65 m, 1,70 m, ça conviendra. C'est une moto avec une position plutôt naturelle et on est bien dessus. La béquille latérale, bien sûr, sur le côté et un siège passager un petit peu plus large que certaines. On a la clé qui permet de soulever cette partie. Bon, on ne pourra pas mettre grand-chose en dessous comme quasiment toutes les motos de nos jours. Au niveau des pneus, on a du 120 à l'avant et du 180 à l'arrière, ce qui est bien plus large que beaucoup de motos. Souvent, c'est du 160-170. Pour rappel, la Yamaha R1, c'est du 190 seulement à l'arrière. Au niveau de la suspension, on a une fourche inversée à l'avant, un amortisseur KYB comme la fourche à l'arrière. Il sera seulement réglable en pré-contrainte et à l'avant, on n'a pas de réglage du tout. Au niveau du freinage à l'avant, 4 pistons Nissin en radial pour avoir un meilleur freinage et plus de puissance et de mordant et surtout de précision. Disque 310 mm sur l'avant et à l'arrière, on retrouve un étrier monopiston flottant avec un disque de 240 mm. Alors, j'ai pas trouvé les informations de débattement, mais je suppose qu'on a 120 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière.
Au niveau du cadre, on a un cadre sur l'avant qui sera en acier et sur l'arrière, cette partie ici qui est démontable au cas où donc, on tombe, on veut juste changer la partie arrière. Donc c'est 4 vis sur le côté, très simple, c'est plutôt pas mal. Au niveau des repose-pieds pour le passage arrière, tout est en métal. Pareil pour les repose-pieds conducteurs, tout est en métal. De ce côté-là, on a le shifter de série comme je vous disais. Et pareil de l'autre côté, tout est métallique, c'est plutôt bien fait. Bras oscillant ici en aluminium, transmission par chaîne bien évidemment. Au niveau des pneus, on a des Dunlop, plutôt corrects, ceux que j'ai aujourd'hui, puisqu'ils en avaient plus, ils m'ont mis des Sport Smart aujourd'hui. Sinon, c'est d'origine, c'est des Road 2. Donc, petite différence, ceux-là seront un petit peu plus sportifs. Mais bon, pour l'essai que je vais faire, il n'y aura pas forcément de différence, on ne va pas aller faire du circuit, on fera juste de la route. Le moteur ici, donc comme je vous disais, quasiment 800 cm3, 776, et il a un arbre à cam qui a été retravaillé spécifiquement pour réduire les vibrations. Et je vous avoue que pour un bicylindre, eh ben, il est plutôt agréable à conduire. Sur l'avant, comme vous pouvez le voir ici, on a un avant très très pointu. Pareil, sur l'avant ici et sur les côtés, on dirait presque un petit peu, pour comparer, celle de la Hornet qui se veut comme des ailes de frelon. Et je vous avoue que ça m'a énormément fait penser à ça dès le début, dès que j'ai vu cette moto. Mais pareil, l'avant très nerveux, très pointu ici, séparé avec deux optiques en LED et une signature de jour sur le côté en LED également. On a les clignotants optionnels ici en LED, sinon ça reste encore des ampoules. Bon, c'est dommage, ça aurait pu être de série, j'aurais bien aimé. Un lèche-roue ici plutôt joli, en sorte de mat, une sorte de noir-gris foncé satiné, plutôt joli. Et bien sûr, l'ABS à l'avant. Sur l'arrière, donc on retrouve l'échappement ici qui est tout en bas, plus de grandes cartouches. Mais sur la 800DE, on verra qu'on a la cartouche encore sur le côté. Ce pneu arrière donc en 180 qui paraît bien large effectivement, et le support de plaque qui est déporté extrêmement loin. Donc on a cette longue partie qui s'affine ici jusqu'au support de plaque avec le phare arrière ici qui est en LED, les clignotants en LED également optionnels, et la plaque un petit peu plus bas. On peut avoir en option ce support qui sera plus court ici et le feu arrière qui sera déporté sur la partie haute ici. Donc on a juste à enlever les petites vis et ce sera assez facile à faire. Bon, je vous connais, je sais que vous voulez l'entendre, donc bicylindre. Ce qui est bien également, c'est que j'ai pas besoin de toucher l'embrayage pour pouvoir démarrer cette moto. Donc, une fois démarré, on a cette sonorité caractéristique du bicylindre et... on a une sonorité quand même plutôt sympathique et on sent qu'on a un petit peu plus que 700 cm3, ça fait plaisir. Je ne vous ai pas donné. Au niveau du réservoir, on pourra mettre 14 litres d'essence juste ici. Le réservoir, pareil, avec ses habillages sur le côté. Et bien sûr, on ouvre à la clé là-haut. Et le petit sticker ici a été posé en plus. Allez, je vous emmène avec moi découvrir directement au guidon de cette moto ce à quoi ça ressemble. Donc, hop, moi je monte facilement. Donc, l'écran TFT ici. Donc, on peut voir, là, on est en plein soleil. J'ai le soleil dans le dos. Regardez, enfin, avec les ombres. Et il est très, très lisible. Absolument aucun souci, même... vraiment en plein soleil. La clé ici avec le contact et le Neumann. Cet écran plutôt simple avec le contour, la vitesse, le rapport engagé, en haut l'heure, le traction control et le Suzuki mode. Donc pour choisir son mode de conduite, le kilométrage total de la moto, le voltage de la batterie, quelle température est le moteur, l'ABS, le neutre, le traction control. Ici quand il fonctionne, il va clignoter. Ensuite on a un petit tête de fourche très sympa, tout en noir. Alors c'est sympa le fait qu'ils aient rendu tout ça sombre et que tout ait été peint, et que ce ne soit pas juste en alu brut. Les rétroviseurs, on a plutôt une bonne visibilité dedans, simple, efficace. De ce côté-là, on a les appels de phare derrière la petite gâchette, l'embrayage ici qui est plutôt souple. Ici pour choisir mes modes, donc où faire défiler le menu. Donc là comme vous pouvez voir, il me reste 195 km d'essence. 5 litres de moyenne, donc en gros hier j'ai fait une cinquantaine de kilomètres, 5 litres de moyenne, c'est plutôt pas mal, pareil, 44 km exactement. Voilà, trip 1, trip 2, et ensuite on revient à l'écran central. Ensuite je pouvais aller dans les modes pour le traction control, je peux désactiver le traction control si je veux faire des burns, 1, 2 et 3. Plus on va vers 3, plus c'est intrusif et donc plus il va vous couper. Je vais laisser en 1 et ensuite je peux aller dans le sélecteur de mode A, B, C, et A c'est le mode full puissance. Donc ça, on le manipule juste d'ici. Clignotant à cet endroit-là, hop, le klaxon. Et sur la droite,
très simple, le nécessaire surtout pour nous en France, la touche warning ici à activer et le démarrage de la moto avec ensuite un frein avant très simple et on a ici 5 positions de garde pour ce levier. Et de ce côté-là, donc comme je disais, de quoi mettre de l'essence juste ici. Bon, il a plu un petit peu, je vais attendre sûrement demain pour aller filmer, mais plutôt sympa cette moto. Bon allez, pour vous dans la vidéo, ça commence maintenant, on part sur la route. Bon allez, c'est parti, on commence cet essai de Suzuki, ferme bien les poches. Donc cette nouvelle GSX8S, donc un bicylindre sur cette Suzuki, et on va voir ce que ça donne. On commence par la ville, ensuite on va faire un petit peu tout type de route, et on va finir sur des petites routes de campagne très sinueuses, au fin fond du 91 pour se faire plaisir. Enfin, je ne sais même pas si c'est 91 ou 77 là-bas. J'enlève la béquille, contact. J'ai juste besoin d'appuyer, pas besoin de débrayer. Ça également, c'est un petit plus au quotidien. Ça permet voilà, de le faire plus facilement, de juste appuyer. J'ai le téléphone dans la main avant de monter en moto. Clac, je la fais chauffer. Les rétros, donc, moi j'ai une bonne visibilité. Ils sont assez grands, ils sont positionnés là-haut. Moi, j'aime pas trop quand c'est sur le guidon, enfin en embout de guidon. Donc là, c'est parfait. Alors, première. Ensuite, j'ai le shifter, up, down. Et regardez, petit truc, c'est... Donc on a cet assistant au démarrage et ce qu'ils appellent, alors j'ai plus le nom exact, mais pour justement que bah, dans les tours la moto ne cale pas, donc je peux repartir. Voilà. Vraiment, comme ça juste à l'embrayage. Et normalement, là si vous calez, c'est que vous êtes vraiment pas bon. Donc pour la ville, moto maniable, c'est un petit roadster, assez sympa. En rond-point. Vous en doutez, c'est agréable, ça tourne tout seul. Alors on va pas commencer à vouloir pencher à ce que les pneus sont froids, je sors à peine de chez moi. Hop, les clignotants. Alors la touche est toute petite, certains ressortent beaucoup plus là, elle est vraiment toute petite ici, mais on sent bien, il y a un vrai clic. Je vais fermer pour le meilleur son. Donc deuxième, troisième, quatrième au shifter, et la boîte de vitesse et cet endroit où j'appuie sur le sélecteur, même à la descente, c'est de la crème. Franchement, comparé à la MT-07 que j'ai faite qui accroche énormément et autres, là c'est vraiment du plaisir. Le frein pareil, super progressif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les petites routes en freinage plus sportif. Je sais pas pourquoi j'utilise l'embrayage, parce que en vrai, même bas dans les tours, c'est du régal. Et la descente de rapport, ça accroche un petit peu plus parce que je suis bas dans les tours. On s'arrête. Très très progressif ce frein. Et là pareil, je peux repartir toujours, juste en relâchant tranquillement, si je suis pas pressé. Allez. Première, deuxième, troisième, quatrième. En gros, 3, 4, 5, 6, ça passe vraiment comme du beurre. Je crois que c'était la Triumph Trident, qui était aussi très agréable, ou la Street Triple. Triumph, ils avaient vraiment bien travaillé ça, et ils en ont fait une moto très confort. J'avoue que celle-ci, eh bien, on retrouve un petit peu ce côté confortable et plaisant. La personne. Allez. Donc, en ville, là, je suis à 50. Je peux être en 3, même en 4. Je ralentis un petit peu. J'espère qu'il va pas pleuvoir. J'ai pas pris de vêtements pluie ou autre. Donc, ah, ils ont brûlé des voitures ici aussi. Super. Je suis à 2500 tours. C'est plutôt agréable. Le frein arrière, ce que j'aime bien sur cette moto, c'est qu'il ralentit vraiment la moto. Il y a des motos, des fois, vous savez, ça servait à rien. La Yamaha R1, j'ai l'impression que le frein arrière ne servait à rien. Allez. Je vais prendre les Donan exprès. Alors là, c'est une route qui les secoue un petit peu sur le Donan. On sent qu'on a quand même une suspension sur le début assez progressive, même si je passe sur les anomalies. Ouais, c'est pas inconfortable. C'est pas ce qu'il y a de mieux, parce qu'on n'a pas du tout de fourche ou amortisseur réglable, à part la pré-contrainte sur l'amortisseur arrière. Mais ça, la selle est plutôt ferme par contre.
Avec une selle confort, déjà, on gommera un petit peu les aspérités de la route, comme ça, puisque justement, on va amortir un petit peu au niveau des fesses. Mais sinon, c'est agréable. Si je suis en 3e en ville, à 50, je suis un petit peu plus de 3000 tours. Donc, je peux passer la 4. Ça passe comme si c'était une boîte double embrayage quand je suis comme ça. Si je le sens même pas. Je passe le rapport et c'est fluide. En 5e, je suis à 2500 tours. Donc là, je roule vraiment bas dans les tours. Et l'avantage de cette moto, c'est d'avoir du coup bas dans les tours. Donc, ça relance franchement bien. Même si je retombe en 4. On sent que ça y va vite. Là, je viens de faire un 50 à 60 ultra rapidement. Après, elle est vraiment maniable. Elle s'emmène bien de gauche à droite. J'ai hâte de voir sur les petites routes, parce que j'ai déjà pas mal roulé avec, mais pas vraiment sur des petites routes sinueuses ou techniques. J'ai bien les pieds au sol quand je dois m'arrêter. Ça également, c'est l'avantage. Et allez. Et s'il y a besoin d'accélérer un petit peu plus, ça y va franchement, et on sent que c'est coupleux bas dans les tours. Donc on n'a pas forcément envie avec cette moto d'aller chercher très haut dans les tours tout de suite. Pour la ville en tout cas, pas utile. Franchement, à utilisation à la cool comme ça, ça peut vraiment être une bonne moto de tous les jours. Pour aller au boulot ou pour se déplacer. C'est une moto facile. Un petit top case et hop, on amène tout ce qu'on veut pour tous les jours. À 50 en 4, ouais ça va. Parce qu'ils disaient aussi donc qu'ils ont mis un arbre à cam spécifique pour avoir un petit peu moins de vibration. Alors bas dans les tours ça cogne un petit peu, donc il vaut mieux des fois être un petit peu plus haut dans les tours. Bah là par exemple à quasiment 4000 tours, j'avoue qu'il y a peu de vibration. J'ai hâte de voir et de vous montrer à plus haute vitesse, mais en tout cas pour la ville, c'est très très agréable. Ici on a mon grand rond-point que j'aime bien. On va voir, il n'y a pas trop de monde à cette heure-ci, en plus c'est l'avantage. On va pouvoir voir ce que ça donne un petit peu sur des longues courbes. Donc allez, je me mets en 3 tranquillement. Ça penche, ça y va doucement. On sent que c'est une moto faite pour cruiser à la cool. Même bas dans les tours, j'ai des bonnes relances quand même, parce que bon, 83 chevaux. On laisse le clignotant. Ouais, on sent que ça penche bien, elle est bien sur l'angle. Franchement, et ça accélère bien, un petit coup de frein en équilibre. Et bah, j'ai presque envie de me dire, allez, vas-y, je vais chercher encore. Et après, le calepied n'est plus très loin. Non, elle est plaisante. Alors, sans forcément me décaler, en restant juste bien assis hein, sur la moto. Bah, on a vraiment envie de se faire plaisir. Hop. Et donc après, je vais changer de côté. Donc pour passer à gauche, à droite. Ouais, elle s'emmène franchement facilement. Et de l'autre côté, et on réaccélère un petit peu. Oh. Ouh, ça monte bien. En fait, c'est plutôt linéaire, mais comme on sent que c'est coupleux, on sent que ça nous emmène. Ah, c'est pas mal ça, je pense que sur les petites routes de campagne, ça va être agréable. Parce que ça va éviter d'aller chercher forcément très haut dans les tours. Et de se dire, je relance juste sur le couple et je pense que les virages vont arriver vite, les uns après les autres. Oh, c'est franchement très agréable. J'aime beaucoup le fait d'avoir du couple comme ça à bas régime. Ça relance très bien. Alors, on va pouvoir également essayer les autres modes. Donc là, par exemple, je me suis mis en SDMS-C. Donc c'est en gros un mode pluie, celui qui va avoir le moins de puissance. Et je sens tout de suite que la moto est devenue beaucoup plus calme. La courbe, en fait, ça met un petit... Enfin, un bel arrondi, justement, pour ne pas voir trop de couple. Et hop, par exemple, là, si je suis en virage, ça me permet de réaccélérer un petit peu mieux. Et bah, s'il pleut, ce sera tout de suite un peu moins dangereux. Et les modes, je peux, bien sûr, les modifier en roulant. Donc là, par exemple, je peux repasser au mode A et... Oh là là, ah oui, rien à voir. Avec la même pression sur les gaz, ça change la moto du tout au tout. Allez, on va laisser s'insérer sur du plus roulant ici, ça va être du 90-110. Donc pour s'insérer, c'est une moto, hein, donc voilà, pas de souci. Je peux passer les rapports. Je vais commencer à 90.
Donc à 90, je me mets en 6. En 6e, je suis à quasiment 4000 tours minute. Alors effectivement, je ressens quasiment aucune vibration sur la moto. Je suis bien assis. 90, je prends pas trop de vent. C'est plutôt agréable. Très bonne moto là pour dans ces conditions. Il fait un petit peu frais ce matin. Pas trop chaud. Il fait beau. Le pur plaisir pour aller se balader en moto. Et si je dois relancer de 90 à 110 en 6, allez, je le fais. Et là, je suis déjà à 115. Donc là, j'étais en 6e. Ça relance pas mal. Donc on sent également qu'il y a du couple débat dans les tours. Et je vais vous refaire un petit 90-110 pour vous le remontrer directement ici. Donc 90, allez, je m'en mets à 90 bien. Allez, go. 95, 100, 110. Donc ça, c'était en 6. Je peux mettre en 3. En 3, là, ça devrait être beaucoup plus sympa. Allez, le compteur change de couleur dès qu'on passe sous un pont ou de nuit. Allez, 90 ici. 1, 2, 3. 110, 115, 120 même. Donc là, ça remonte beaucoup plus vite. Et on sent que c'est plutôt volontaire. C'est pas trop. C'est juste ce qu'il faut. C'est, on a de la puissance. Et ça relance largement assez. Et ensuite, shifter pour passer tous mes rapports. Et je peux me rebalader un petit peu plus à la cool. On va voir là, il y a une longue courbe aussi normalement juste après. Mais 90, en tout cas, hyper agréable. Même à cette vitesse, elle a l'air encore vraiment très maniable. Allez, on tourne à droite ici. On a de bonnes relances, hein, franchement, même en 6. Si j'ai besoin de doubler, je ne vais pas forcément être obligé de tomber un rapport. Ça, c'est l'avantage. Et ensuite, si je veux arriver plus fort, hop, je tombe les rapports au shifter en relâchant la poignée de gaz. Et là, je peux me prendre un petit peu d'angle sur une longue courbe. En fait, c'est vraiment hyper agréable. Et ça tourne tout seul. Une fois qu'on est sur l'angle, on est posé, on est là, on a juste envie de se dire, bon, bah vas-y, j'y reste, j'y suis bien. Elle est bien, bien équilibrée. Je trouve ça très cool. Alors, on va se tester 1-0 à 100, voire 0 à 130. Je me suis arrêté là sur le bord de l'autoroute. Dès qu'il n'y a personne, c'est parti. 1, 2, 3, allez, let's go. Fond de première, 79, 130. Pas mal, hein? Ça accélère suffisamment. Alors, je vais mettre en 6 à 130, même casque. Donc, au-dessus de 110, ça commence à souffler un petit peu dans le casque. C'est ça l'avantage du roadster aussi, ou le désavantage. À 130 km/h, je suis à 5500 tours minute. Donc effectivement, là on se prend un petit peu de vent. Après, c'est le plaisir du roadster aussi. Hein. Quand il fait bon comme ça, ça fait un petit peu d'air frais. À 130, si j'ai besoin de relancer en 6, ça y va bien, déjà 145 quasiment. Là, c'est là qu'on se dit que c'est important d'avoir un casque bien isolé et bien profilé. Alors moi, en plus, avec la GoPro, ça bouge un petit peu. Mais non. Là, je commence à voir à 130 des petites vibrations au niveau des pieds. Mais bon, c'est normal, hein, le moteur tourne quand même à 5500 tours minute. Au niveau de la selle, ça va, les vibrations se font peu ressentir au niveau du guidon. Et une légère vibration, mais ça reste très correct. Et on se dit qu'on a envie d'aller s'amuser aussi avec ce genre d'auto. Alors, je sais pas vous, personnellement, moi je prends très très rarement les autoroutes à 130 km/h. En plus, on n'a pas de régulateur sur cette moto, donc on s'ennuie vite. Et tenir le guidon comme ça à 130 pendant assez longtemps, c'est pas forcément le plus grand des plaisirs. Si on a un petit peu de route à faire, pourquoi pas, mais sinon je privilégie toujours les petites routes. Alors, là je suis parti sur des petites routes, enfin je viens d'arriver sur des petites routes. Très sympa de campagne, il fait beau, j'adore ce genre de conditions. Donc, on va se remettre ici aux alentours 70. Donc il y a cette vitesse, route assez dégradée.
La suspension filtre pas trop mal parce que c'est une route qui est vraiment très très abîmée ici. Ouais, on sent que c'est une bonne moto pour tous les jours au final. Et même pour de la balade à la cool, c'est franchement agréable. Là, on fait un petit enchaînement gauche-droite. Et non, même sur les assez grosses anomalies, ça se débrouille pas mal. Bon, si on tombe 2-3 rapports, allez, en deux, reprise en deux, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de couple? Ça déleste un petit peu l'avant, mais on va dire que ça lève pas vraiment. Il va vraiment falloir mettre de plein gaz pour que ça lève. On va être même un petit peu dans les tours. Ouais, si un petit peu, avec plein gaz, ça va lever un petit peu en fond de deux. C'est assez sympa. Alors c'est pas trop brutal. On va laisser le monsieur passer. Il nous laisse passer, merci. Et quand on veut mettre un petit peu plus de rythme, le shifter c'est hyper cool. On a une route très dégradée, franchement, c'est très sympa. Niveau du freinage, donc on sent toute la progressivité sur le début du levier. Et ensuite si je freine un peu plus fort, là on sent qu'on va avoir un bon mordant. Là ça devient sympa et bonne Raxel. Le shifter ça fait vraiment plaisir. Des gros freinages. Ouais c'est mordant. Et là j'étais pas vraiment sur un gros freinage, mais on sent que l'ABS fait très bien son boulot parce que ça sautille ici. J'ai senti l'avant qui a ripé un petit peu parce que c'est très dégradé. Et bien l'ABS même a 80-90, ça permet de ne pas se tuer. Petite route de campagne ici. On va se faire le premier aller-retour ou le premier aller à la cool. Donc je vais me mettre en 3. On peut voir que même bas dans les tours, comme je disais, depuis le début, ça relance bien. C'est agréable. Là, c'est une route très très dégradée ici, très bosselée. La suspension filtre bien. La moto est facile. C'est surtout ça qu'on va demander à ce genre de moto. Parce que pour beaucoup, ce sera une première moto. Et clairement, elle est facile. Et si vous avez un peu peur, même avec la full puissance, vous pouvez vous mettre le mode C qui permettra d'avoir une moto beaucoup plus calme et plus facile à emmener sur ce genre de route. Qui sera moins nerveuse, par exemple, si je rappuie un peu trop fort en sortie de courbe. Et franchement, à rythme relativement cool, ça y va super bien. Comme je disais, en virage elle y va toute seule. Bah dans les tours ça relance, c'est un bon moteur hein, franchement. Et si besoin, ouais, ça relance vraiment bien. Et si on pousse plus, bah, ça relance très fort. Et ensuite on peut arriver sur du freinage un peu plus de trappeur. Et par contre, impossible de faire un stoppie avec cette moto. J'ai pas réussi. Et en fait, à chaque fois que je freine fort, je sens que l'ABS vient se déclencher et impossible de lever l'arrière presque. Sinon, il faut, je pense, vraiment bien charger. Pas facile, mais comme je disais, on a un moteur bien plein, le shifter. Au passage de rapport, c'est un petit à-coup très sympa. Et si on se le fait de façon plus dynamique. Donc bon freinage, attention à pas freiner trop fort pour justement pas aller déclencher l'ABS. On a très bonne relance, on emmène, on sent qu'en deux on a l'avant qui se déleste un petit peu, ce qui est sympa, qui donne un peu de sensation. Le frein arrière équilibre bien, j'ai un bon freinage en entrée. Comme je disais, alors on n'a pas forcément des pneus ultra sportifs, mais ça colle plutôt bien la route. Et ceux-là pourtant sont un petit peu mieux que ceux d'origine. Non, ça y va bien. Franchement, elle est facile à prendre en main. Elle met en confiance. On sent que c'est pas une moto sportive, mais que c'est un petit roadster sympa avec lequel on peut quand même s'amuser. Et comme vous pouvez le voir, hein, là ça y va déjà à bon rythme et ça relance largement assez, clairement. Et on peut se le refaire sur la montée. Pareil, même s'il reste en 3, pour avoir quand même du coup plus bas dans les tours et pouvoir relancer un peu plus vite ensuite, bah ça tient bien et
clairement en 3 là ce sera même le meilleur rapport, comme ça permet d'avoir des réaccélérations plutôt progressives mais quand même puissantes, et le faire à bon rythme. Et surtout le but c'est de le faire à bon rythme sans freiner, parce qu'on n'est pas sur un circuit, on reste sur route, mais ouais, il y a du couple et c'est très plaisant. Fais attention aux cyclistes. Ça va vite, très vite, un gros freinage, et on s'emmène dans cette longue courbe. Que du régal. La moto, de toute façon, c'est du régal. C'est rare qu'on s'ennuie en moto de nos jours, et les châssis sont de plus en plus bons. Et ça va bien, même à haute vitesse, sur des longues courbes. Et ça relance, franchement, suffisamment. J'ai pas besoin d'aller plus vite. Ça tire sur les bras, on croit quand même un petit peu. Et on sent que ça commence à bien rouler. Hein. Sur cette longue courbe, c'est plaisant. On arrive à bien gripper la moto entre les jambes. Que du plaisir. J'aime bien ce moteur. Plus le moteur est gros, plus justement on a cette allonge et ce moment qui dit allez, vas-y, on t'emmène. C'est pas nerveux en haut. Mais par contre, en bas, on a du caractère. Et on sent, si je vais chercher en haut, voilà, ça reste un bicylindre. Ça va pas s'énerver plus que ça, haut dans les tours. Donc là, si je me reprends un petit bout de ligne droite, en fait, ça va être très linéaire. Ça va être quasiment constant, en fait. C'est une puissance qui va monter tout le long. Donc entre là et tout en haut, en fait, c'est très linéaire. Donc ça, c'est un avantage également. Et par exemple, là, je repars à 6000. Jusqu'à 10000, en fait, c'est hyper linéaire. Donc, je vais pas avoir de... Ça va être... Et on passe le rapport. Et ça remonte. C'est des caractères moteurs différents d'un 4 cylindres, par exemple. Mais on prend quand même du plaisir. Et si je m'en mets en 2, hop. Là, je peux même remettre première avec le shifter. Allez, je pousse. 2, hop, je ralentis, je peux remettre la première. Là, on sent que les pieds viennent vite toucher par terre. Ça pousse bien. Alors attention, oh monsieur, hop. On sent qu'avec les nouveaux embrayages, etc., on n'a plus le couple qu'on pouvait retrouver par exemple sur une SV ou quand on tombait un rapport, ça bloquait la roue arrière par exemple, même si là je me remets première. Je relâche, en fait c'est tellement géré, il y a tellement de gestion moteur et autres que je vais plus bloquer la roue arrière pour arriver un petit peu en travers, et même en freinant de l'arrière, bah, ça va plus du tout glisser. Donc on a un petit peu ce côté fun qu'on avait sur les anciennes motos avec ce couple énorme de bicylindres, mais on privilégie l'efficacité, la sécurité et surtout la facilité, parce que je conduis souvent une SV d'un copain, Clément, qui nous aide souvent à filmer sur la chaîne, et franchement ça n'a rien à voir. Bon allez, petit débrief. Bon alors, au final, cette moto, elle est plutôt bien équipée, elle est agréable, j'ai adoré la façon de passer les rapports, j'ai l'impression d'avoir une moto beaucoup plus haut de gamme, et franchement, elle fait super bien le job. Pour un débutant, elle est pas trop brutale, elle est assez facile à prendre en main. J'avoue que la Hornet a peut-être une prise en main un petit peu plus simple, mais clairement, très bonne moto, j'ai bien aimé le design, le look, un petit peu différent, et ce moteur est quand même très plein à bas régime, ce qui permet d'avoir de bonnes relances et même pouvoir rouler bas dans les tours. Et en fait, c'est une moto assez polyvalente, on va dire. C'est une moto que je vais pouvoir utiliser au quotidien pour aller travailler ou en même temps pour le plaisir. Et pour quelqu'un qui débute la moto, je pense que ce sera un très très bon jouet pour pouvoir se perfectionner et ensuite monter peut-être plus haut en gamme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on soit bientôt 100 000 sur la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voiture, auto, moto, trottinette, vélo, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres engins que vous voulez que j'essaye sur la chaîne. Et j'essaye de faire mon maximum pour le faire. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.